السلام عليكم مازور فلاون بونجور. L'hebdomadaire français L'Express a publié aujourd'hui un dossier sur l'Algérie. Explosif pour tous ceux, et ils sont nombreux, qui pensaient que l'Algérie était une sorte d'Eldorado où tout le monde s'y dort tranquillement la tranche. Mais rien de vraiment extraordinaire pour tous ceux qui connaissent notre malheureux pays. La presse française nous avait habitués à totalement occulter l'incroyable situation algérienne pour des raisons souvent inavouables, où la bien commode raison d'État joue un rôle aussi, sinon plus important, dans le blackout qu'une manne publicitaire particulièrement généreuse a obtenu. Ce dossier, qui peut sembler impressionnant à ceux donc qui croyaient que l'Algérie est un pays en pleine expansion, mais qui ne fait qu'évoquer presque superficiellement l'immense déchéance de tout un pays et peut-être le début d'un éveil médiatique, parce que les journalistes français ne peuvent plus taire la tragédie qui se joue sous leurs yeux dans un pays qui leur est si proche par mille et une façons, dont l'explosion annoncée pourrait avoir de graves répercussions sur leur propre pays. Parce que l'aveuglement de leurs propres dirigeants, qui soutiennent la mafiocratie algérienne à bout de bras, jusqu'à couvrir une réélection outrancière d'un homme qui n'a plus ses facultés mentales, devenu complètement gâteux pour appeler les choses par leur nom. Des dirigeants français qui ont décidé de ne pas exploiter le gaz de schiste dans leur propre pays, parce qu'ils en connaissent toutes les conséquences ravageuses, mais qui s'apprêtent à le faire de façon massive au Sahara algérien, sachant le risque majeur que cela peut avoir sur la mer souterraine d'eau douce, parmi les plus importantes du monde, qui se trouve sous toute l'immense étendue du Sahara. Des dirigeants français qui ne répugnent pas à se faire financer leurs campagnes électorales, voire plus, en guise de remerciement par une mafia qui saigne à blanc tout un pays. Tous les signaux sont au rouge en Algérie. Le régime croit avoir anesthésié la conscience générale en achetant de larges couches de la population, en faisant du pays un bazar dans le sens premier du mot, en injectant des masses colossales d'argent dans les circuits de clientèle et d'organisation de masse, dont la seule utilité est de servir de soutien et de mur à crachat à un régime mortifère. L'Algérie ne vit que d'une seule ressource, l'exploitation et la vente des hydrocarbures. Elle ne crée pas de richesse. Ses universités sont parmi les dernières du monde. Une misère endémique frappe de plein fouet des millions de gens au moment où des fortunes colossales sont gaspillées avec une frénésie qui frise la folie furieuse. La corruption est devenue systémique et systématique. Des millions de jeunes ne rêvent de rien d'autre que de pouvoir se jeter sur les routes de l'exil. L'insécurité fait rage. Des jeunes s'immolent par le feu dans l'indifférence générale. Les secteurs de l'éducation, de la santé, de l'agriculture, du transport sont en faillite. L'industrie a été démantelée et ses restes vendus aux clientèles et aux parentèles. Copains, coquins. Et d'une façon générale, l'économie algérienne n'existe plus.
Plus rien ne marche dans ce malheureux pays, et s'il n'a pas encore explosé, c'est juste parce que c'est l'immense rente des hydrocarbures qui permet à ce régime d'acheter la paix sociale, sans compter, sans penser à demain, dans une fuite éperdue et suicidaire en avant. Aujourd'hui, l'Express. En Algérie, les mirages de l'argent facile. Ensuite, l'Express, dans le même dossier. Algérie, Bouteflika, ou le passé pour futur. Et enfin, l'Express, toujours dans le même dossier, entre autres articles que nous pouvons publier tous. Algérie, 2 ans de prison pour avoir dénoncé des policiers voleurs. Notre premier invité est M. Benchikou Mohamed, journaliste, directeur du journal Le Matin. Si Mohamed, merci de nous avoir rejoints. De rien, c'est avec joie. Bonjour. Alors, si vous deviez nous faire un état des lieux sur l'Algérie de maintenant, qu'est-ce que vous nous diriez? Moi, je crois que vous avez tout dit. Et l'Express vient de dire tout aussi de son côté. La question, c'est comment un État, un régime, un homme qui a été présenté il y a 16 ans comme le sauveur, comme un homme providentiel, et puis aujourd'hui, de l'aveu même de ceux qui l'avaient encensé, puisse être à ce point inscrit dans l'échec. Je me rappelle, il y a 16 ans, nous recevions des leçons de journalisme de la part de nos amis confrères français. On se faisait rabrouer parce qu'on prévenait sur le ravage qui allait être occasionné par le régime Bouteflika. Aujourd'hui, 16 ans après, je crois que c'est unique dans l'histoire qu'un homme qui a été encensé à ce point fasse aujourd'hui l'objet des critiques de la part de ses laudateurs. Oui. C'est une leçon, oui, pour nous journalistes, mais c'est une grave expérience pour les compatriotes, les Algériens, qui vont vivre maintenant une vie très dure. Oui. Est-ce qu'on imagine ce que cela veut dire, échec? Cela veut dire des milliards, des centaines de milliards qui ont été volés, qui ont été gaspillés, une chance historique qui ne se renouvellera pas d'être une nation, comment dirais-je, de ce monde moderne. Et oui, avec plus de 700 milliards de dollars gaspillés, ça aurait pu faire sortir n'importe quelle république bananière, et là il s'est au niveau de pays développés, j'imagine. Oui, mais seulement quand on dit cela, on oublie de dire autre chose, c'est que les réserves pétrolières vont en s'amenuisant. Oui. Les réserves gazières vont en s'amenuisant. Sur le marché, le cours est en train de chuter. Oui. Nous n'aurons plus jamais la manne financière dont a profité Bouteflika. C'est sûr et certain. Et dans ces conditions, la grande question qui se pose, est-ce que nous avons aujourd'hui en Algérie les ressorts patriotiques? Est-ce que nous avons aujourd'hui les ressorts pour réfléchir à ce qu'il faut faire pour éviter l'enfer à ce peuple? Mais le pire, Mohamed Benchikou, le pire n'a-t-il pas été dans le fait de laminer toutes les valeurs civiques de ce peuple, d'en avoir extirpé tout sens de la mesure, toute vraie valeur? Oui, c'est à ce prix que le régime de Bouteflika s'est assis. C'est à ce prix qu'un régime
de pouvoir absolu, d'autocratie, a pu, aux dépens des contre-pouvoirs, se faire admettre, y compris aujourd'hui par ceux qui le découvrent. Mais seulement le problème n'est plus là. Oui. Le problème, c'est que les ravages de ces 16 années de gabegie, de gaspillage, de corruption, de vol, de négligence, de crime, vont maintenant être de plus en plus insupportables pour la population. Et aujourd'hui, ce qu'il faut, à mon avis, sur lequel il faut s'inquiéter, le point sur lequel il faut s'inquiéter, c'est dans l'état de démobilisation dans laquelle se trouve l'Algérie, est-ce que nous avons les moyens de trouver un coup de rein pour essayer de mettre en place une situation alternative qui nous évite la catastrophe? Mohamed Ben Chikou, merci beaucoup, en espérant vous revoir bientôt sur notre chaîne et dans notre émission. Merci beaucoup, c'est Mohamed. Nous allons recevoir à présent Iskandar Debbesh. C'est là, bonjour. Bonjour, Iskandar. Alors, quel est votre sentiment face à cette débâcle annoncée que les gens semblent ne pas voir venir, hein? Tout le monde va qu'à ses affaires le plus normalement du monde, comme si tout allait bien dans le meilleur des mondes. Jamel, mon sentiment, c'est que pour abonder dans le sens de M. Mohamed Ben Chikou, que je salue au passage, vous savez, tout à l'heure, j'ai parcouru un peu la presse algérienne, hein, et je suis tombé sur le programme de l'Ouattan, du journal l'Ouattan. Oui. Bon, sans préjuger des compétences de nos journalistes, qui sont d'un très très haut niveau, je dois le dire. Mais il y a deux articles qui ont attiré mon attention. Il y a deux thèmes plutôt qui ont attiré mon attention. Le premier, c'était la déclaration de M. Bouchareb, qui se trouve être, je crois, ministre de l'économie ou de l'industrie ou quelque chose comme ça. Alors cette déclaration à propos, c'est-à-dire, mais vraiment c'était choquant, hein, quand on lit ça, il demande à ce que avant la fin 2014, la gestion des SGP soit restructurée, c'est-à-dire toutes les SGP. Alors j'ai essayé de savoir ce que signifiaient les trois lettres SGP, j'ai trouvé l'explication effarante, Société de gestion et de participation. Oui. Du secteur marchand de l'État, c'est-à-dire de l'industrie, des services, de la production des biens de consommation, etc., qui doit être restructuré avant la fin 2014, c'est-à-dire dans 3 mois. En un claquement de doigts. Tic. En un claquement de doigts, c'est-à-dire... Alors là, je me suis aperçu d'une chose, c'est qu'en Algérie, on vient d'inventer un nouveau mode d'expression qui doit être l'art de parler pour ne rien dire. Ouais. Donc, voilà, M. Bouchareb, c'est-à-dire, va faire réaliser en trois mois ce qu'autrefois, nous réalisions, c'est-à-dire, dans le cadre d'un ou plusieurs plans triennaux et puis quinquennaux, hein, aussi, il faut le dire. Oui. Donc, M. Bouchareb va le réaliser. Ça, il demande à ce que ça soit réalisé dans les 3 mois. Et ensuite, il y a un autre thème qui a attiré mon attention, c'est la fameuse exploitation des gaz de schiste. Il y a un article aujourd'hui sur l'Ouattan où le ministre de l'Énergie a demandé à ce que des gisements soient... Il a fait un appel pour l'exploitation de certains gisements. Et il s'agit en l'occurrence de l'exploitation du gisement de Birkin-Gdames. Donc de Birkin-Gdames, Timimoun, Mouidir, Ahnat et Tindouf. Oui. Et quand on sait que, bon, là, je me suis renseigné, j'ai essayé de me documenter sur l'affaire du gaz de schiste. Bon, d'abord, il y a la déclaration de l'OCDE qui dit que ce n'est qu'un effet d'annonce concernant les gaz de schiste en Algérie. Hein. Oui. Que ce n'est qu'un effet d'annonce pour la bonne raison qu'en Algérie, il n'y a pas d'eau. Oui. Et on nécessite des quantités astronomiques d'eau pour les besoins de la fracturation hydraulique. Iskandar Debbesh, attendez, que je vais apporter une petite explication de texte justement sur ce sujet, et je vous laisse poursuivre. Oui. En Algérie, là où ils veulent exploiter le gaz de schiste, il y a une quantité énorme d'eau douce.
C'est une mer, c'est une véritable mer souterraine qui se trouve sous tout le Sahara, y compris dans le Mali, en Libye, au sud du Maroc et partout. Et c'est une seule mer hein, qui se tient. Ce n'est pas des poches, c'est une mer. Et donc, elle se trouve en eau profonde, dans l'Albien. Donc, ils vont tirer de l'eau pour exploiter le gaz de schiste. Après, cette eau qui a servi à exploiter le gaz de schiste, à faire exploser les cailloux d'où ils vont sortir le gaz, donc cette eau sera polluée, très polluée, parce qu'ils utilisent des produits chimiques. Le problème, c'est qu'au Sahara, il n'y a pas d'exutoire naturel. Ça veut dire qu'il n'y a pas de oued. Un oued qui puisse prendre les eaux usées et les jeter dans la mer. Donc cette eau va rester dans le Sahara. Eux, ils disent, nous allons la stocker. C'est impossible. Donc, la même eau polluée va s'infiltrer dans les sols et va rejoindre la mer d'eau douce et polluer la plus grande richesse algérienne qui existe, 1000 fois plus riche que le pétrole et le gaz réunis. Je vous laisse poursuivre. Voilà, je poursuis. Donc, ces gisements se trouvent ont la particularité de se trouver sur les frontières. Or, la nappe albienne, qui notons au passage se trouve à 8000 mètres de profondeur, hein. Il Oui. faut d'abord l'atteindre. Ouais. La nappe albienne n'est pas dont l'Algérie n'est pas la détentrice exclusive. Oui. En fait, c'est ce qui va poser des problèmes avec les voisins, ouais. avec les pays voisins, avec le Maroc. Le Maroc qui se sert justement de qui puise dans la nappe albienne pour ses irrigations agricoles. La Tunisie, c'est la même chose. Et la Libye, qui utilisent la nappe albienne, les Libyens qui utilisent la nappe albienne simplement pour étancher leur soif. Or, on connaît le projet de Gaddafi qui a été d'ailleurs réalisé, Le grand fleuve, qui Nahar el-Kabir. puise de l'eau dans la nappe albienne pour l'irrigation Oui. et pour les besoins en eau de sa population. Oui. Donc, et ça n'ira pas sans poser de problème. Et C'est sûr. ensuite, il parle d'un autre gisement, c'est celui de Ergan. De Ergan, une région que je connais bien, tenez. Justement, la région de Erken, il veut parler du Grand Erg occidental et notamment de Ergechèche. Oui. Ergechèche, où les réserves de pétrole et de gaz sont prouvées. Oui. Il ne s'agit pas de gaz de schiste, il s'agit de gisements Oui. qui ont été jusqu'à présent inexploités. Sauf Exact. que le problème, c'est que ces gisements sont pratiquement inaccessibles. Inaccessible parce que Ergechas, ce sont des dunes, c'est encore pire que Hamad Tilgta à côté de Borma. C'est des dunes immenses. C'est des dunes immenses. C'est des sociétés d'exploration sismique qui s'y sont aventurées, comme la Globe Universal Sciences ou bien la ENAGEO, à l'époque où ça s'appelait ALGEO, c'était dans les années 70, ou bien la Western Geophysical ou la CGG ou la Compagnie Française de Prospection Sismique. Ils y ont pratiquement toutes laisser tout leur Mais matériel. sinon, Skandar, pour revenir à la misère, à ce vide institutionnel, à cette débâcle du régime de l'État algérien, quel est votre sentiment sur ce qui est en train de se passer, pas seulement sur le plan du gaz ou des gisements, d'une manière générale sur l'économie algérienne, sur cette débâcle civique, sur. On est en train d'apporter des rustines à un système qui fuit de partout. Oui. On apporte des rustines, on essaie de réparer un système qui fuit pratiquement de partout parce qu'il n'y a plus d'institutions. Les institutions, celles qui existent encore, elles sont totalement inopérantes. On parlait tout à l'heure du fameux projet de M. Boucherb. Attendez, il existait autrefois, à ma connaissance, il y avait des instituts qui menaient des enquêtes sociologiques, économiques, enquêtes de faisabilité, etc., concernant des projets. Maintenant, d'abord, on ne voit plus il n'y a plus question de projet dans la presse. On ne parle que des questions sécuritaires et autres, et puis ou bien on parle pour ne rien dire, comme c'est le cas de M. Boucherb. C'est-à-dire, il n'y a plus, l'État algérien n'a plus, porte plus de solutions. N'est plus en mesure d'apporter des solutions viables. Qu'est-ce qu'on trouve? On trouve des mesures d'urgence, c'est-à-dire pour parer au plus pressé, c'est-à-dire essayer d'obtenir la paix sociale. Mais quelle paix sociale? Quelle paix sociale? En leur fournissant de quoi s'acheter un véhicule ou de quoi s'acheter un fourgon avec lequel il ne fera rien plus tard. Restez avec nous, Iskandar Debbache. Gilani Ghassari, ex-directeur général de l'Epdemia, une société de distribution de l'eau domestique dans la wilaya de Tébessa.
Merci Gilani de nous avoir rejoints. Merci, Jamal, je vous en prie. Alors, vous vivez à Tébessa, une ville antique, un joyau du patrimoine de l'humanité que je connais personnellement, dont les vestiges byzantins sont parmi les plus beaux au monde. Mais Tébessa n'est pas que ça. Elle a été aussi, avant le colonialisme, une ville habitée de citadins raffinés, dont le savoir-vivre rivalisait avec celui des Constantinois et des Tunisois. Aujourd'hui, elle n'est plus qu'une ville où se côtoient des parvenus pleins d'argent sale et des multitudes de citoyens qui vivent dans une misère inimaginable, ou dans le meilleur des cas, dans des difficultés quotidiennes où le seul fait de trouver un sachet de lait est un exploit en soi. Parlez-nous de Tébessa, Gilani Gassari. Merci. Alors, pour ce qui concerne la ville de Tébessa, c'est la ville du Tarabendo, n'a vraisemblablement jamais cessé d'attirer les hommes d'affaires. Des multimilliardaires mystérieux, voire de gros bonnets fraîchement débarqués, pour élargir leur terrain et agrandir leur fortune. Ils sont venus de partout à Tébessa. De l'Est, de l'Ouest, du Sud, du Centre, la quasi-totalité des beaux endroits, à savoir les quartiers, les nouveaux quartiers, comme on dit, sont envoyés par des bâtisses de haut standing. On entend que plus de 2000 somptueuses et lumineuses qui valent plus de 3 milliards chacune existent actuellement dans ces quartiers, c'est-à-dire c'est des reconstructions récentes. Oui. Ceci est dû au fait qu'il y a les nouveaux riches, comme on appelle les parvenus. Les parvenus, en Texas, merci beaucoup. Voilà. Jamais un trait de vie aussi dispensieux n'a été affiché si ouvertement en Tébessa, dans un pays en crise, soi-disant. Les signes extérieurs de richesse qui étalent une partie de la population. Les nouveaux riches, les nouveaux parvenus, filent le ridicule. Oui. Le luxe s'affiche désormais sans complexe à Tébessa. Oui. Alors, ceci concerne, selon les définitions, je ne sais pas, ces gens-là, d'où ils détiennent cette manne d'argent. Moi, je pense, personnellement, j'en ai fait un diagnostic, c'est la mauvaise gouvernance et la corruption qui sont les deux fléaux qui nuisent à l'Algérie. Mais sinon, politique et social. Mais sinon, à Tébessa, il n'y a que de belles villas et des nouveaux et des parvenus et des quartiers de luxe. Non, c'est des nouveaux quartiers de luxe. Mais ce qu'il y a de plus désolant à Tébessa, c'est la saleté. Alors là, je fais tous les jours le tour de la ville. La ville est embourbée de saleté. On dirait qu'il n'y a pas de service public pour l'enlèvement de ces ordures ménagères. Je reviendrai, juste un petit mot, pour ce qui concerne l'exploitation du gaz de schiste. Oui. Comme je m'y connais un peu dans l'eau, je peux vous assurer que cet été, toute l'Algérie a passé un mauvais été. Il y a eu de la soif, il y a eu des émeutes de l'eau. Oui. Ce n'est pas un manque d'eau, ce n'est pas de la sécheresse, c'est la mauvaise gestion de l'eau. D'accord. Alors, on n'a pas su gérer ce qu'on a comme eau et on veut aller au gaz de schiste. Le gaz de schiste, c'est une manne d'argent. C'est des gens qui pensent au plan quinquennal suivant, parce qu'ils pensent au-delà de 2019, les gouvernants algériens. Ouais. Alors, pour ce qui est, je vous cite un petit exemple. Le cas en Sèche, qui est voué à l'échec dès le début. Oui. Est un lieu par excellence où se manifeste l'arnaque, la corruption dans leurs visages les plus hideux. Oui. Le plus souvent, ils commencent au niveau du jeune petit chômeur qui se lance dans l'opération pour voler l'État de quelques dizaines ou centaines de millions de centimes, moyennant une dîme à laisser au niveau du circuit d'octroi et de prêt dit en sèche. Ça veut dire, lui, pour avoir ce prêt, il est obligé de cracher d'abord à ceux qui vont le lui donner. Ah oui, la dîme, elle est partout maintenant. Vous allez pour un acte de naissance, vous donnez 200 dinars. Eh ben. Alors là, sauf pour 10 millions, il faut une grosse dîme. Mais on m'a dit que c'est systématique. L'ANSEGE, pour avoir son crédit, il faut cracher vraiment au moins 10 à 15%, si ce n'est plus.
Moi, je vous avance quelque chose d'autre. Oui. La dîme n'en parlera pas. Tous les jeunes vous parleront de cette dîme. Oui. Le contrôle des commissions qui sortent pour contrôler les coûts. Votre invité tout à l'heure, on a cité quelques-uns. Oui. Ils viennent contrôler les locaux. Ils viennent contrôler quoi? Ils viennent contrôler un local vide. Il n'y a pas de matériel, il n'y a rien du tout. L'argent est destiné à autre chose, à la frime. Parce que les gens qui ont eu des prêts à ANSES et CNAC et ainsi de suite, moi je les vois tous les jours, je les vois à TVSA 24 heures. C'est des gens qui roulent carrosse, c'est des BMW. On vous entend pas bien, Gilani Gressali. Vous avez changé d'endroit, j'ai l'impression. Non, non, non. Ah, ça va mieux, voilà, voilà. Voilà. Alors, je ne vous parle pas, la dîme, elle est partout. Parlez-nous de la misère à Tébessa. La misère, mon ami, à Tébessa, la dernière fois, je vous ai parlé de la misère de la population algérienne qui a été dépassée par les... Ah, vous avez encore bougé, il faut revenir où vous étiez parce qu'on ne vous entend plus. Voilà, c'est mieux. Alors, je vous parle aujourd'hui des Africains. Oui. Des Maliens qui envahissent la ville. Oui. Alors, ils sont par dizaines de milliers à squatter les espaces publics, faisant de la manche maintenant. C'est des petites jeunes filles... avec leur mère, dans toutes les artères et carrefours de la ville. Eh ben. Je présume qu'ils ne sont pas très bien reçus, je crois. Ah ben non, mais automatiquement, ils sont comme les Syriens, bien sûr. Les Syriens aussi, il y en a beaucoup à TBC. On vous entend pas bien, Gilani, vous avez bougé, donc... Ah d'accord. Voilà, c'est mieux, voilà. Je ne sais pas. Gilani, essayez de nous résumer la situation en moins d'une minute parce que l'émission est finie, s'il vous plaît. Moi, je pense que les choses ne vont pas bien. On voit en revanche un premier ministre partout, il dirige le gouvernement mais avec une casquette plus large. Vous avez bougé, on ne vous entend pas, Gilani, il ne faut pas bouger, vous avez bougé. Non, 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 c'est ainsi que je ne bouge pas. Ah, non, non. D'accord. Ah, ok. On vous entend, on vous entend. Ce qui fait l'omour, il est préférable que l'État règle son horloge pour que les choses aillent mieux, parce qu'avec l'argent qu'on a dépensé dans les plombs quinquennaux avant, n'ont rien donné. La saleté existe partout, dans toutes les villes d'Algérie. Ce plomb quinquennal 2014-2019, avec 262 milliards de dollars, normalement, on devrait être mieux que Dubaï. Merci beaucoup, Gilani Gressali, en espérant vous revoir bientôt. Cette émission est terminée. Salam alaikum, Mazoul Fellaoun. À demain, j'espère.